Alors, bon matin ou bonne journée, tout dépendamment de l'heure à laquelle vous vous branchez pour faire le cours. Alors, bon, je laisse toujours le temps aux gens d'arriver. C'est comme un peu au cours habituel, quand tout le monde est là, on débute le cours ou on débute à l'heure, mais là, il faut laisser le temps à tout le monde de se brancher ce matin. Alors, je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. Alors, je vais aller dire un beau bonjour. Alors, je m'en viens, ce ne sera pas bien long. Alors, à qui je dis bonjour ce matin? Je dis bonjour à Joanne, bien sûr, à Daniel, à Louise, à Liette, allô, allô. Alors, toujours, qui est là, Suzanne, allô, Suzanne. On a beaucoup de Suzanne, allô à toutes les Suzannes ce matin. Alors, j'ai. Oui, deux Suzanne, Stéphanie, allô, allô, je suis prête, super. Alors, pendant qu'on attend tout le monde, j'espère que vous avez votre bouteille d'eau. Des fois, on l'oublie, hein? Faut penser à notre bouteille d'eau. On a Nicole qui est là. Yes, t'as vu mon message? Alors, Sylvie, elle est là. Est-ce que Sylvie est là? Des fois, je vois les petites bulles, mais je vois pas tout le monde. Thérèse, allô, Thérèse. On a Gisèle, yes, elle est là, Micheline, super. Donc, Micheline, tu as vu mon message aussi. Ce matin, on n'est pas. Hey, on lâche pas, c'est bon ça. On va être en forme. Lise, bon matin à vous aussi. Allô, Christine. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est vu, Christine. Alors, je laisse encore du temps, Linda. Super. Alors, tout le monde arrive. Je m'excuse si vous ne me voyez pas, c'est parce que je trouve qu'en gros plan, là. Mais attendez un petit peu, je vais changer ça. C'est parce que j'ai pas mis mes lunettes, je vous vois pas. Fait que je suis obligée de m'approcher. Alors, qui est là? Jacqueline, allô, Jacqueline. Super. José, allô, allô. Elle est toujours prête. Vous avez vos poids, vous avez votre chaise, votre bouteille d'eau. Vous êtes bien chaussée. Extrêmement important d'être très, très bien chaussée ce matin. Alors, j'attends encore un petit peu parce que j'ai parti le vidéo peut-être 2 minutes avant pour être sûr que tout le monde me voit pour pouvoir se brancher. Allô, Denise. Alors, Denise est là, fidèle au rendez-vous. Louise. Allô, Louise. Alors, on a Louise qui est là, toujours au poste. Alors, je laisse un petit peu de temps. On a Hélène. Hélène, Raymonde. Allô, allô. Jocelyne, super, Diane, yes, ça commence à arriver, c'est bon, donc ça sera pas bien long, on va débuter ça. Alors, qui est là ce matin, avec une petite journée comme ça, hein, c'est parfait, c'est parfait pour débuter un cours à l'intérieur, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, à faire aujourd'hui avec cette météo-là. Je pense qu'on commence à avoir le moral des talons, hein, avec cette météo. On ne peut pas aller rien faire dehors. Le temps des fêtes approche. Ah, vous êtes prêtes? Oui? Vous avez tout votre matériel? Bon, là, il faut le sourire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que c'est comme cours. Vous l'avez vu, gym en folie. Je me suis dit, mardi, fou. Hein? Ils font tous des Black Friday, des cyber-lundi. Ben, moi, je fais un mardi fou. Un mardi fou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des tournes un peu folles. Un peu rigolote. Je pense que c'est le but de s'amuser un peu à ce temps-ci. Alors, ça va être ça le cours aujourd'hui. Donc, soyez pas surpris d'avoir de la folie un peu dans ma musique. Mais laissez-vous aller. On est tout seul chez nous. On se laisse aller. On a du fun. Alors, vous m'enverrez des petits mots si vous avez fait un peu de folie dans votre salon, dans votre sous-sol, qu'importe où vous êtes. Lâchez-vous là. Ça fait du bien au moral. Ça fait sécréter nos endorphines. Alors, let's go, gang, on part ça, préparez-vous. Alors, je prépare ma musique et voilà, c'est parti. Mes poulets. Continuez. 3, 2, 1, 2, 1 et 1.
pied au pied. Punch it up. Marchez. Hey, ah. Au punch. Marchez. Au punch. Marchez. Au punch. Marchez. Ouh, mais le cheval s'en mêle. Et là, allez, le cheval. Encore. De la sauce. Ouh, ouh. D'autre côté. On évite les flèches. Là, encore, là, le cheval. Les yeux bleus, la taille, des bonnes rages.
Déplacer talon fait. Talon fait. Fait. Ok, bougez plus, c'est chez moi. Elle monte. Et chez moi, elle monte. Dans les airs. Ah. Ah. Deux, déplacer. Deux, pardon. On fait. On fait. Allez tout le monde, j'entends d'où aller, les dames et les loups. Nous vivons la plus merveilleuse des soirs. Allez tout le monde, j'entends d'où aller, les dames et les loups. Elle est moi, elle est moi, on continue les bras. Deux, dans les airs, et un, et double. On fait, hop, on fait, hop, let's go, hey! Nous sommes ensemble matin, midi, soir, et chantant debout, allez, dames, gardez nos bras, hop, on plie si on veut ou juste relax. Marchez! Ouais, elle est moi, elle est moi, allez les bras, on n'arrête pas! Ouvrez côté, bande de côté.
côté. Mike Douglas. Derrière. Wouhou! Yeah! 3. Et 2. Hop! Les bras. Dansez! Ouvrez côté. Pied. A. Ouvrez avec le bras. Les bras. Mike derrière la tête. Préparez-vous. On pousse. Pousse. Roulez.
Allez, roulez! Plus on va avancer, plus l'intensité va monter. Vous pouvez déjà en mettre un petit peu si vous voulez. Poussez! Et 6. Vous pouvez faire ça comme ça si vous voulez. Et 1. Et 1. Et 1. 2. Marchez! En rochant, on prend une petite cloche de dos. Préparez le bout. Il va avoir des bras. Je vais vous rappeler des souvenirs. Yeah, wow. Ah, les noces. Hein? Une chanson de noces. Ah, pas tout de suite la chanson de noces. Prenez mon poids. Prenez votre chaise. Ah. Les deux poids dans la main. Dans les mains, pardon. On tête au droit. Lâchez. Un, deux jambes de côté. Marchez. Deux côtés. Marchez. Un, côté. Marchez. Côté. Poussez talon. Poussez. Et un. Un, deux. Si, on ajoute les bras. Pousse, pousse, lève, lève. Pousse, pousse. Lève, lève, pousse, pousse, ha, ha. Let's go, travaillez les épaules, les hanches. Gardez nos droits. Marche, marche, pousse, ça fait comme la montre. Marche, marche, pousse, pousse. Un, deux, lève, encore, go. Un, deux, ha, ha. Un, deux, un, cœur plié, descend, glisse, monte, glisse, ouf, comment tu dis, c'est dans la chanson, ouf, sept, on plie, six, ok, quatre, aïe, 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 trois, et deux, deux, là, descend, descend, remonte, épaule. Descends, descends. Remonte, on reste au sol. Pousse, sept, go, plie. Wouhou! Quatre, trois, deux, marchez deux fois. Un, lève, lève, lève. Marche, marche.
Balance, balance. Genou, dépasse les poils des orteils. Gardez le dos droit. Un. Deux. Le poids tombe à la cuisse. Épaule. Cuisse, épaule. Bien. Six. On peut en prendre deux. Prêt. Facile, c'est du long, on peut y aller.
Les mains de chaque côté. Yeah.
faut porter le bras, nos bons désirs. On peut se faire si on veut. 3, 2, talons points. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu peux faire comme ceci ou comme ceci. Ou comme ceci. Voici votre intensité. Six, five, four, three, two, one.
Da 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 da
Dieu, êtes-vous encore là? Ah oui, il en reste encore. Allô, Pierrette, allô, Liette. Oui, on est en vie, Joanne, toujours là. Super. OK, alors là, on a eu chaud? Oui, hein? Alors là, s'il y en a qui vont vouloir s'ajouter, on ajoute une bonne demi-heure de stretching. Waouh, que ça va faire du bien après tout ça, n'est-ce pas? Alors, tous ceux qui trouvent ça dur, ses épaules, genoux, on va tout travailler ça maintenant. Alors, vous allez rester, vous allez prendre votre chaise. Vous allez la porter comme ceci. Excellent. Comme ça, parfait. Alors, juste avant, ça vous tente-tu, on va faire deux, trois petits exercices d'équilibre. Oh, regardons, c'est le fun, ça. Hein? Ça va permettre de tester notre équilibre. Ne soyez pas inquiète. Si jamais vous dites, hey, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas d'équilibre. Plusieurs facteurs jouent sur l'équilibre. Hein? Ça peut être la prise de médicaments, ça peut être le type de pied qu'on a, la longueur de pied. Oh, on surprenait, mais oui. Alors, il y a plusieurs facteurs, fait que ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de la travailler et de garder les mains toujours près du dossier. Donc, je place ma petite musique pour faire ceci. Ah, tiens. On part ça avec petite musique. Oui, on change de musique, je comprends. Et voilà, on s'en va dans la relaxation. Ah, ça vous permet de vous essuyer, hein? Stretching, voilà. OK. Moi, je vais tasser la chaise pour que vous voyez. Mais je veux que vous la laissiez là devant vous. OK, je la place ici, mais vous la laissez. Dos bien droit, gainez, venez serrer vos abdominaux, gardez les bras de chaque côté, le petit genou mou, pointez le pied devant, les mains sont près du dossier, pointez devant, un, avec ou sans les mains, deux, trois, quatre, on change de pied, pied devant, pointez le pied, gainez, serrez, allongez-vous, respirez, un, deux, trois, et 4, et relâchez. Maintenant, pied de côté. Allongez, main dossier, vous pouvez tenir 1, 2, 3, et 4. Changez de côté. Main dossier, allongez, 1, 2, 3, et 4, ramenez. Maintenant, placez le pied devant, pied derrière. Excusez-moi, j'ai chaud, là, je m'essuie un petit peu. Ah, oh, j'ai oublié ma serviette. Je reviens, 2 secondes. Ah! Bon, elle était pas loin, elle était pas loin. OK. Ah! Ah! Pointez. Placez le pied devant, l'autre pied derrière, pointez. OK? Donc, comme ceci, pointez. Maintenant, les mains sur le dossier. Là, je pars de côté. Comme ceci. OK, pointé. Et là, amenez aux fesses. Poussez le genou derrière. Et déposez. L'autre pied, levez. Amenez aux fesses. Et déposez. Pointez le pied. Fesses. Allongez. Penchez. Et ramenez l'autre côté. Levez, pointez, pardon, levez, allongez, et ramenez. Croisez les pieds comme si vous aviez envie. OK, on tient comme ceci, croisez les pieds, allongez-vous, étirez, et levez les talons. Essayez de lâcher les bras, de lever lentement. Bien sûr, sinon faites juste un bras. Descendez. Croisez l'autre jambe. Levez les bras et les talons. Wouhou! Et relâchez. Maintenant, gardez la chaise devant, comme ceci toujours, et placez votre pied devant et l'autre pied derrière, comme ceci. OK? Je me replace un petit peu à la diagonale.
pied devant, pied derrière. Les deux talons sont bien à plat. Amenez votre genou devant et poussez le talon derrière. On tient, on étire bien, enfoncez le talon dans le sol. Levez le bras. Tirez le coude, on va aller travailler l'épaule. Alors, on étire les muscles pectoraux et on lève. Amenez la main derrière la tête, relevez le menton. Poussez la tête dans votre main, poussez-la juste un peu. Expirez. Lâchez. Poussez. Lâchez. On vient dégager, on vient travailler au niveau des vertèbres du cou. Poussez. On travaille au niveau aussi des omoplates. Descendez. Levez les orteils et poussez les fessiers derrière. Fléchissez l'autre genou. Gardez vos bras détendus et poussez les fesses en descendant. Regardez devant vous. Amenez la tête entre les bras ou le plus possible entre. On sent l'étirement, chaîne postérieure, épaule. Pliez le genou et remontez. On va faire l'autre côté. Donc, on a notre pied devant, pied derrière. Talon bien enfoncé dans le sol. Pied, talon bien enfoncé dans le sol. Fléchissez le genou, dépassez pas les orteils. On regarde comme ceci. Levez le bras. Descendez. Poussez derrière. Twist. Travaille l'épaule. Revenez. Amenez derrière la tête. Poussez la tête dans la main. Je vais dire tout. Poussez la tête dans la main. Relâchez. Poussez. Expirez en poussant. Relâchez. Poussez. Relâchez. Poussez. Et relâchez. Maintenant, transférez votre poids vers l'arrière. Genou fléchi, pied pointé, épaule détendue et on tient. Regardez devant vous. On en profite pour inspirer, expirer. Amenez vos deux jambes en pleine extension. Croisez les doigts. Allongez les bras et poussez les fessiers derrière et tirez les bras. Et on tient la pose. Thank you.
et revenez. Maintenant, venez vous asseoir. Excusez-moi, mon chien voulait monter. Il y avait mes poids. OK. Alors, on s'assoit. Comme ceci. Jambes en ouverture. Est-ce que je suis bien vis-à-vis? Comme ceci, ça va. Les orteils pointés, on est sur les talons. Montrez-moi vos paumes de main. Alors, on va aller travailler au niveau du dos pour enlever les tensions au niveau du dos. Donc, on tient comme ceci. Penchez vers moi. Assurez-vous que ce n'est pas glissant, ni au sol. Faites ça et votre chaise, vous êtes bien stable. On est assis à peu près au milieu. Alors, on prend les mains, on pousse. Poussez. Ouvrez. Sentez-vous le travail? Allez, à les cuisses, revenez. Croisez, déposez les pieds. Penchez. J'essaie de trouver la place idéale. Croisez. Penchez. Venez-vous-en vers moi. Étirez, étirez. Regardez-moi toujours. Étirez les bras. Relâchez vos épaules. Allez loin derrière. On travaille au niveau des muscles pectoraux, épaules, omoplates. Croisez les bras. Penchez de l'autre côté. Étirez vers moi. Étirez les bras. Serrez le ventre. Expirez. Allez derrière. Retenez les orteils dans les airs. Talons bien au sol. Mains jointes. Poussez les mains. Poussez vers moi. Étirez vos bras. Pas nécessaire d'aller bas. On travaille au niveau du dos. Inspire, expire. Allez derrière. Loin derrière pour ouvrir la cage thoracique et relâchez. Ramenez vos pieds. Amenez la main derrière, levez le bras, pardon. Penchez et regardez votre bras. Revenez et descendez. Levez le bras. Essayez d'avoir la main qui vient au-dessus de la tête et regardez. Ne forcez pas le mouvement. On travaille au niveau du cou. N'oubliez pas d'allonger le corps. Revenez. On le refait. Levez le bras. Étirez, penchez. Et tournez la tête. Descendez, expirez. Expirez. Tournez la tête. Étirez, relâchez. Et ramenez. Maintenant, on va aller étirer les quadriceps, les psoases pour dégager votre genou et votre dos. Alors, je me place comme ceci, de côté. Okay? Donc, je suis vraiment de côté. Une fesse en dedans, une fesse en dehors. Placez votre bras ici sur votre dossier. Ou si le dossier est vraiment trop haut, en bas, tenez le siège comme ça, OK? Maintenant, on est bien fixe, mais on est plus loin derrière, comme ceci. Pas en avant ici. On se recule pour avoir le dessous du genou assez près du siège. Maintenant, le dos bien droit. On a le genou vers le sol. Genou vers le sol, comme ceci. Le pied pointé. Si vous êtes capable, amenez votre genou un petit peu plus loin derrière. Maintenant, toujours le pied pointé. Poussez juste un peu votre talon. Regardez comme ça. Je pousse mon talon. Maintenant, tenez la pose. Ramenez votre menton. Tiens. On sent l'étirement au niveau des quadriceps. Au niveau de la cuisse. Placez
posez votre main sur le sur la fesse, comme ça. Poussez vers le bas. Dégagez votre épaule derrière. Toujours dans cette position. Si vous êtes toujours à l'aise, reculez les épaules. Oh là là! Inspire, expire. Et relâchez. Oh, hein? On revient devant. On va aller par l'autre côté. Donc, tournez de côté. Alors, on s'en va derrière un peu. On s'accroche après le dossier. On amène le pied. Maintenant, dos bien droit. On tient la pause. On s'étire. Alors, n'oubliez pas, pied pointé. Si on peut, pousse le talon derrière. Gardez le dos droit. Allongez le corps. On inspire, on expire. Donc, vous devriez bien sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Amenez la main derrière. Poussez la fesse vers le bas. On aimerait mieux la monter, hein? On tient. Maintenant, poussez, reculez. Poussez toujours sur la fesse. Oh, hein? On inspire, on expire. Il peut faire des étirements lui aussi. Alors on revient de face. Maintenant, allongez la jambe comme ceci. Gardez vos mains sous la chaise et là vous allez pousser vers le bas. Poussez, restez comme ceci et faites juste tirer les orteils vers vous. Étirez. Penchez haut hein, et poussez votre talon dans le sol. Tournez la tête de côté pour aller travailler au niveau du dos. L'autre côté. Revenez de face. Amenez la tête vers la cuisse. Le menton vers le bout du pied, regardez-moi, et remontez, étirez. Poussez sur la chaise. Hop! Poussez le talon dans le sol. Lâchez. Tête vers cuisse. Menton vers le bout du pied. Regardez-moi. Remontez, étirez. Poussez. Et amenez la main sur le côté extérieur du genou et amenez le coude vers l'avant. Tournez la tête vers l'arrière. Et relevez. On répète tout ça de l'autre côté. Allongez la jambe. On s'accroche. On allonge le corps. On pousse le talon dans le sol et on tire les orteils vers nous. On ne bloque pas notre respiration. On tient la position. Maintenant, toujours en poussant, penchez vers l'avant. Alors, vous voyez qu'on ne va pas très loin. On tient cette position. Amenez la tête vers la cuisse. Le menton vers le bout du pied et regardez-moi remonter, inspire. Tête vers cuisse. Menton vers le pied. Remontez. Poussez sur la chaise. Poussez le talon dans le sol. Lâchez. On reprend, tête vers cuisse.
menton vers le bout du pied, remontez. Maintenant, amenez la main extérieure genou, le coude vient vers l'avant, ma main est toujours accrochée et je tourne la tête, je regarde derrière. Profitez-en pour inspirer, expirer. Et revenez. Ramenez vos pieds ensemble. Maintenant, placez vos mains sous les cuisses, comme ceci. Tirez comme si vous tirez vos cuisses vers le haut. Ah, étirez le dos. Et là, allez vers l'arrière en contractant vos abdominaux. Expirez, regardez toujours devant. Sentez-vous le travail au niveau du trapèze? Ici, là, en arrière. Si je tiens loin comme ça, contracte bien, soufflez. Maintenant, revenez devant. Et tirez vers l'arrière et penchez. Poussez la main. Allez de côté. Revenez. Ramenez. Poussez. Contractez vos abdominaux. Allez vers l'arrière, les mains restent là. Regardez devant. Tirez, revenez. Poussez le bras devant. Allez de côté. Avançant au niveau de l'omoplate, haut du dos. Revenez. Ramenez main sur les cuisses. Remontez. Et ramenez. Maintenant, asseyez-vous au fond, au fond. Appuyez votre dos. Placez vos paumes de main vers le haut. Contractez vos abdos. Poussez vers le dos. Ouvrez les bras dans cette position. Serrez, serrez. Un, deux, expirez. Trois, quatre, et relâchez tout en étirant les doigts. Relâchez les épaules. On le refait. Contractez les abdos. Poussez vers le dossier. Ah, ça, c'est bon pour votre dos. Et on travaille beaucoup au niveau épaule-omoplate. Donc, contractez. On travaille le bas du dos. On étend le bas du dos. On ouvre. Toujours contracter. Expirez. Étirez, étirez, étirez les doigts. Et relâchez. Décollez le dos. Levez le bras. Amenez votre main comme ceci. Étirez les doigts et mettez une légère pression. On va dégager nos trapèzes. On tient. Étirez les doigts et poussez le bras légèrement vers l'arrière. Toujours en mettant une légère pression. Ouvrez la paume de main. Revenez. Roulez l'épaule derrière. Changez de côté. Alors, on fait le tour. Hop, on place la main. Penchez, mettez une légère pression. Étirez les doigts. Ouvrez la paume de main. Vers l'avant. Allez derrière. On sentait la différence. Revenez. Roulez l'épaule. Étirez les doigts. Étirez les doigts. Maintenant, croisez vos doigts. Comme ceci. Placez vos mains sous le menton. Vous allez pousser vers le haut et vous allez pousser votre menton vers le bas en même temps.
en expirant. Donc, on va inspirer avant. Expirer, pousser. Lâcher. Alors, pourquoi on fait ça? Pour dégager nos vertèbres cervicales, pour enlever la tension musculaire. Donc, on reprend. Main dessous, inspire. Expire, pousser. Inspire. Expire, pousser. Inspire. Expire, pousser. Tournez les paumes vers l'avant, les doigts croisés. Le dos décollé du dossier, allez sur le côté. On va de l'autre côté. On revient. On étire les bras, on inspire. On expire, on s'étire, on s'étire, on s'énergise, on inspire. On expire et on roule. 1, 2, 3 et relâchez. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. Alors, je m'en viens vous dire un beau bonjour. Mais avant, j'ai un petit défi pour vous. Alors, je me suis dit qu'en temps de pandémie, je vous lance le défi comme ça de le faire. C'est de penser à quelqu'un que vous dites, ah, cette personne-là va être tout seule ou elle n'a pas beaucoup de famille, elle est tout seule durant le temps des fêtes. D'envoyer une carte, si vous avez son adresse. Alors, je vous mets au défi d'envoyer une carte à quelqu'un pour le temps des fêtes. Ça, vous allez voir, ça va donner un beau sourire et ça va faire du bien au moral. Donc, on se lance le défi, on envoie une carte à quelqu'un qu'on pense qu'il en a besoin durant le temps des fêtes. Alors, je m'en viens voir qui est là, qui a eu très, très chaud. Alors, oui, Sylvie, alors, ça a fait du bien, hein? Oui, ah, super, Joanne, merci, Linda, Gisèle, ça fait du bien. Oui, excellent pour un beau stretching. Alors, la semaine prochaine, on va se faire une petite partie gym du temps des fêtes, mais aussi exercice thérapeutique pour ceux qui ont des problèmes genoux, épaules, dos. Donc, je vais donner toutes sortes d'exercices pour aider. Alors, je vous souhaite une belle semaine et profitez-en bien pour vous reposer. Bye bye! Merci, oui, j'ai eu chaud, moi aussi j'ai eu chaud, inquiétez-vous pas. Joanne, Maryse, allô, allô. Alors, bye bye tout le monde.